Pour le club de Cujon-Mestra. Catégorie de Junior Cruiser, le numéro 16, complètement à l'extérieur de la piste. C'est le leader par le classement par points dans cette catégorie de Junior Cruiser. Il nous provient du club d'Évreux en Normandie, Sébastien Jouenne. Et il a eu un tout petit peu de problème avec les pédales dans le premier virage. Voilà si maintenant Adrien Bizouard, notre ami qui nous provient du club Dijonais, occupe la première position. Quant à la troisième place, Bizouard est en troisième position maintenant pour le club de Dijon. Quant à la deuxième position, elle était convoitée. Mais alors il y a deux numéros 50 dans cette série. Devant Karine Claouet en deuxième position et courageusement. Et ouais, vous avez raison de l'applaudir, mesdames et messieurs. Très, très fort, Frédéric Griffin. Ouais, c'est pas bien grave, elle est déjà arrêtée à redresser la mécanique. On redresse un peu le guidon, on va le cas. 2004, vainqueur du championnat 2003 et deuxième position pour Cyrielle Convert, vice-championne de France. Et troisième, la candidate Malika Fallou qui nous provient du club Le Massy. Gérardo de Montmélian. Junior Cruiser, ça va aller de plus en plus vite sur la piste de Montélimar. Race numéro 9, deuxième manche qualificative maintenant. Sébastien Jouenne d'Évreux avait fait tout à l'heure très fort lors de la première manche qualificative. Et il est à nouveau en tête dans cette seconde manche qualificative. Derrière lui, on tente d'organiser légèrement le peloton, mais il est très étiré comme vous pouvez le constater. En seconde position, c'est le numéro 41, Jérémy Lepeneu de Saint-Nazaire. Benoît Leroy de Vire occupe la troisième position pour la région normande, bien sûr. Et quant à la quatrième place, à 60 mètres de la ligne d'arrivée, elle sera obtenue par le numéro 68 de Carquefou, Maxime Langlais, Pays de la Loire, bien sûr. On est à la troisième position. Voici le Zélie dans la deuxième manche libre de cette septième épreuve de la course. Race 9 avec les juniors et Sébastien Jouenne, vainqueur de la première, de la deuxième et également leader du classement par points dans cette catégorie des juniors cruisers à l'issue des trois premières épreuves. Et le voici maintenant en pole position. Et puis derrière, sa bataille dure avec Adrien Bizouard pour le club de Dijon en deuxième place. Troisième position maintenant convoitée par Jérémy Lepeneu de Saint-Nazaire qui a remporté la victoire il y a 15 jours d'ailleurs dans la catégorie de 20 pouces. Jérémy Lepeneu de Team BMX Boutique bien sûr. Et pour la quatrième place, voici qu'arrive maintenant le numéro 35 pour le club de Vire, Benoît Leroy. Pour le stade bordelais qui occupe la 7e position de cette Coupe de France.
monsieur Pascal Boudin. Pascal Boudin, mais il va courir dans quelques instants, monsieur. Donc, ce sera par la suite. Alors, attention, c'est la série numéro 96 que nous avons là sous les yeux avec Lydia Fort, la championne de France 2003 devant la vice-championne de France 2003, Cécile Lazzarotto, donc, de chez DRT. Notre amie Lydia Fort obtient la pole position. Elle aborde d'ailleurs, lorsqu'elle aborde la dernière ligne droite, ceci en tête devant Cyrielle Tombert. Alors que le club de Massy avec Malika Fallo va terminer en troisième position et que Mélanie Pellurson pour le club de Chabeuil va terminer elle en quatrième place. Catégorie Quizzer Junior pour le club d'Évreux, Sébastien Jouenne. Pour le club de Saint-Étienne, Sébastien Bernard. Pour le club de Saint-Nazaire, Jérémy Le Penedu. Pour le club de Trégueux, Anthony Delaporte. Pour le club de Dijon, Adrien Bizois. Pour le club de Saint-Avertin, Romain Rousseau. Pour le club de Vire, Benoît Leroy. Et enfin, pour le club de la Chapelle Saint-Mémin, Jérémy Boutin. Attention les pas. Ça revient, ça revient pour même. Moyenne quoi. J'ai envie de vous sortir le numéro 16, Sébastien Jouenne, qui est en tête, bien évidemment, de cette classement par points. Il est à la corde, c'est lui qui a pris la tête de nos opérations. Il nous provient de la Normandie, en particulier du club d'Évreux. Jonathan, Sébastien Jouenne, pardon. Et attention, car ça revient de l'arrière. Ça revient très fortement de l'arrière avec Sébastien Bernard, le Stéphanois. C'est toujours Jouenne en première position. Devant maintenant, Bernard, Sébastien, le Stéphanois. Oh là là, ils ont fait le trou. Et ça va se jouer dans les derniers mètres. Jouenne, Bernard Jouenne, compte à compte. Les derniers mètres, c'est Jouenne qui remporte devant Bernard. Du coup, je ne suis pas intéressé. Bouteille. Parler dans les derniers whoops dans cette série numéro 77. Le numéro 85 pour la ligne d'arrivée, 85. Il s'agit de monsieur William Cesbon du club d'Avrier. Alors que la race 78 est partie maintenant. Et dans cette race 78, c'est la dernière série des juniors en première manche qualificative avec notamment monsieur Jouenne, Sébastien Jouenne. Souvenez-vous de lui, il avait déjà fait fort en cruiser hier. Alors que pour la deuxième position, il y a quelqu'un de tardi qui est là. Frédéric Bouvard, bien sûr, en deuxième position et troisième place avec le numéro 96, Johan Duchesne, pour le club de Saint-Étienne. Complètement à l'extérieur de la piste, c'est la leader de la Coupe de France 2004, celle qui a remporté le whole shot hier et qui a également remporté la 7e épreuve de cette Coupe de France sur la piste de Montélimar. Elle a de nouveau décidé de faire la course en tête dans cette 8e épreuve et première manche qualificative. Blandine Cotreau de Franconville, elle met pas de Blandine, elle est en grande forme en ce moment. Et la 3e position pour Amélie Despaux et ensuite Malika Fallo obtient la 4e place. Voilà donc le quatuor qui va entamer la toute dernière ligne droite. La leader, Laetitia Le Torquille en première position et deuxième, Blandine Cotreau. On a l'air d'assurer, mais attention, la première manche est importante. Il y a également une Peugeot 607. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils, déplacez vos véhicules, merci. Alors la série 78, catégorie des juniors, avec, si j'ai bien vu, Jouenne Sébastien du club d'Évreux en première position, alors que la seconde position est pour Delacour, Marco de Sainte-Maxime, le club d'Ardeillé en troisième place, c'est pour Frédéric Bouvard, et puis ensuite avec la quatrième place, numéro 96 de Saint-Étienne, Johan Duchesne va terminer en quatrième place. Planche Olivier. Frédéric Bouvard de Dardilly est en deuxième position.
mais il y a aussi Johan Duchesne de Saint-Étienne, le numéro 96, à laquelle il faudra faire une contre-réponse. Attention, également numéro 16, où est-il? Il est là, voilà, il est revenu. C'est Mathieu Joanne d'Evreux qui a repris la tête des opérations, alors qu'à la seconde place, et maintenant pour Frédéric Bouvard, pour le club de Dardy. Et Courbon est en cinquième position là-bas, avec Jonathan Blanc. Quant à la troisième place, ou même à la quatrième position, c'est Kadjé Sébastien Delande. Et quatrième position pour Johan Duchesne, le Stéphane. Un Pélurson Mélanie pour le club de Chabeuil, alors que Malika Fallo pour le club de Massy occupe à la quatrième position. Donc, Laetitia Le Corrier a un problème dans cette troisième et dernière manche qualif, mais je pense qu'on la retrouvera qualifiée pour les demi-finales. Victoire de Blandine Contro. Allez, nouveau départ, Anne Rougier, faites un... C'est les minutes, ça va aller de plus en plus vite. Pélua, Vincent, c'est son prénom. Il a tué les tours. Il y a également du plague de Mère de Mardi. Il y a des bons joueurs de Célimard, Julien Garas, Jacquet, Quentin Jacquet. Il y a également l'enfant Jérôme Antoine Topin, les Gousseries. Toujours Vincent Pélua de jouer les tours en pole position. Et la seconde place pour le numéro 84, c'est-à-dire notre ami. 84, Ribéra, ce Julien de Microsoft 28. Alors que Durand Geoffrey de Montélimar va se qualifier pour la suite des événements. Péloir toujours. 78-44, mais quelqu'un qui passe à l'intérieur. J'ai pas pu voir son numéro, je regarde sur le feuille. Je crois que c'est Anthony de la Porte ou Dorian Martinez qui est passé. Ok, va, t'as vu la sortie de grille? Pour le club de Cournon, Kevin Sukebal. Pour le club de Montélimar, Morgane Belmont. Pour le club d'Evreux, Sébastien Jouen. Ouais. Pour le club de Montélimar, Nicolas Blanchet. Pour le club de Lambre, Dorian Martinez. Pour le club de Mons, Benoît Roche. Morgane Belmont me semble bien sorti de la grille départ avec son numéro 55. Morgane Belmont va-t-il prendre le rocher dans cette catégorie? C'est Morgane Belmont qui va sortir top, c'est lui qui va chercher pour les dames. Mais c'est Morgane Belmont, je pense, qui s'en va avec une victoire. Il a 45 longueurs d'avance et Montélimar. Junior Cruiser, je rappelle les pilotes pour leur deuxième manche, s'il vous plaît. Oh, joli passage du 16 et du 25. Le 25, Ortiz Sébastien du club d'Evreux.